Ça marche, que... ça peut te péter. Parce que moi, j'ai pas testé dans la vidéo, j'ai pas pensé. Ah bah non, mais là, qu'est-ce que tu fais? Mais what? What the fuck? Pour sauver les deux joueurs Vitality, Gotaga qui joue avec mes 100 euros, il a un billet de 100 euros. Voilà, il est comme ça là. Retour. On a même une petite surprise pour toi, Gotaga. Il y aura normalement quasiment pas de streamhacker ce soir. Tu remarqueras par toi-même et on en reparle à la fin. Mais je ne dis rien, tu verras. Attends, on a collé un tilted là. Je crois que c'est un tilted. Ouais, t'inquiète, y'a pas beaucoup de monde. Ah bah, je suis mort. Yes, bonne game. Donc toi, tu joues tous les jours, toi, c'est ça? Yes, très bonne game, oui. Ah, Apex, Apex. Non, mais je crois que lui, c'est le seul qui a pas testé Apex. Je l'ai toujours pas essayé. Quelqu'un, s'il vous plaît, Robin. Attends, j'arrive tout de suite. Bah, super. Bah, j'ai passé une super bonne game en tout cas, c'était cool. J'ai drop, je suis mort. Je suis perdu, Anne. Aïe aïe aïe, j'ai hâte d'être à l'Allumé Sport avec Romy. Je suis complètement à d'autres temps ça. Bon bah je suis mort aussi à zéro du coup. Ça Roby, ton adversaire s'est suicidé. Nice. Oublie pas qu'il a 150 de construire maintenant quand il meurt. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le nouveau truc. C'est vrai, j'ai tout de suite. Oh putain, je suis hypé d'un coup. Il reprend la live de Fortnite en une game. Revive pas le connard meurt non, rapidement. La game de chauve, je vais pas faire un kill. Mais si t'as déjà fait combien de kills là? T'as fait 0 kill toi aussi? Bah oui. Oh mais vous inquiétez pas, personne va payer hein les gars, on vous le dit. C'est où? Ça vient du ciel j'ai l'impression. du parc en face. Ça vient du ciel il m'a dit. Le parc en haut. Te moque pas Roby. Roby il s'est moqué à un niveau là. 43. Il a le même shoot que Nobs quoi, incroyable. Je suis d'arbre. Oh oui, t'es un monstre, j'aime trop quand je te vois rush comme ça. Je vais te mettre des têtes. Allez, tue-le. Oh, il a pas GG ça. Ouais, bouge pas. Là, y'a un mec qui backstab avec son barrette, s'il vous plaît. Un backstab sur barrette sur Roby, s'il vous plaît. Mais ouais, avec ton aimbot là, bien sûr que tu les mecs en l'air. sur moi, toi. On la connaît la modif. C'est moi qui l'a fait. C'est pas que je le live. Oh, 40 HP sur la montagne en sud, Dogby. Ok, mais là y'a un mec sur moi. Ouais, rushez-le. Attends, je vais regarder la place de Dog. Qu'est-ce qui se passe? Vers où? Fais gaffe, sud sur la montagne en face de toi, 40 HP. Je sais pas s'il a repris de la vie, mais. Tu l'aimes bien cette arme ou pas? Ça va, je trouve que au moins je suis précis avec. Comme ça, on dirait pas. Nice. Un down. Elle était belle celle-là. Derrière le bus, ouais. Le deuxième. Si tu l'as, mets Dog. Oh là là. C'est toi, Roby, là qui me gonfle. Y'a un mec sur moi. C'est pas Roby. Pourquoi je peux pas reculer? C'est quoi ce délire? Zéro de construit, Dogby. Attends, pourquoi je suis tout le temps? Pourquoi quand je tape, ça marche? Un HP. What? Regarde, je reste appuyé sur le clic gauche, ça avance. Pourquoi? C'est quoi ton bug? Pourquoi est-ce que ça avance? Attends, y'a une option. Oh le monstre! Ah, mais c'est vrai qu'on est en mode de sensu, mais ça, c'est le meilleur. On n'a pas parlé. Yes. Mais ça, c'est le meilleur truc qu'ils aient fait de leur vie pour l'instant. Bah, ils ont fait revivre le jeu en fait. Ah, de ouf. À un moment où les gens commencent à en avoir marre. Et mais tu vois, je pensais pas qu'ils allaient craquer sur ça. Et toi, t'en penses quoi, Roby? Aussi, t'es content du mode sensu, j'imagine. Ouais, c'est pas mal, ça dynamise un peu. Mais surtout en compète. En fait, c'était le truc que Apex avait, que Fortnite n'avait pas. Dynamique de ouf. Ouais, tu sais que tu peux enchaîner un fight à l'eau. C'est ça. Tu peux enchaîner. Et ça, c'est cool. Du coup, vous avez combien de kills là? Deux. T'as combien de Deux aussi. Qui t'a offert le truc de la Saint-Valentin, Roby? Ah, c'est mon meilleur mate Ads. Mais du coup, toi, tu l'as offert à qui, Roby? Est-ce que tu l'as rendu à ton teammate Ads ou est-ce que t'as... D'ailleurs, moi, je l'ai offert à Gotaga et j'ai vu que personne te l'avait offert avant moi. Ah, t'as pas merci, donc, t'as même pas. T'as dû payer pour le faire, le cadeau? Ouais, c'était 20 balles, mais ça me fait chier. Mais c'est pas grave, Non, vraiment non balles, c'était gratuit. C'est pas 20 balles. C'était gratuit. C'était gratuit. Je pas ça. En fait, genre, j'ai fait un effort. Et du coup, on sait toujours pas à qui Roby l'a offert, quoi. Ouais. Une amie. Est-ce qu'elle habite en France? Non. Ok. Je pense qu'il n'y a pas besoin de poser plus de questions. Je pense que maintenant, déjà la réponse. Elle fait quelle taille à peu près? Elle est légèrement plus grande. One down. On peut dire que c'est comme une petite amie. Du coup. Oh le jeu de mots dégueulasse. Oh là là. Ouais, mais c'est bon, moi j'ai vu son petit sourire, il est tout rouge. Par contre, on rigole, mais c'est top 9 et ça pourrait être le début de la soirée en Only Top 1. C'est Only Top 1, mec. Moi je suis pas du tout en pression. Vas-y, on agresse celui qui est dans son 1-1. Mais on fait ce que tu veux, Roby. Voilà, ah vas-y. Moins 150. What? J'avais un piège dans. Ouais, il y avait un piège là, j'ai esquivé un piège sur Fight Express. C'est Death Run ça. Mais j'ai ramassé tout là. Non, ouais, fais gaffe, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent. Plus combien? Ah, vous êtes carrément encerclé là par contre. Mais d'ailleurs, j'espère que tu as remarqué, Gotaga, qu'il y avait pas de streamer dans cette game. Je sais pas si tu l'as vu, mais on dirait qu'elle est propre cette game. Je peux pas dire, je me rendais. Ouais, mais regarde nous, tu vois, là on est bien. Là, je peux être comme ça en mode, je sais qu'il va rien se passer. Tu verras toute la soirée. C'est... Et de quoi t'as fait un serveur privé avec le Discord? Comment, genre? Je te dirai la surprise à la fin de la soirée. Je sais pas ce que t'as trouvé comme solution, mais ça a l'air efficace. Ça a l'air magnifique. En fait, je veux que tu me dises à la fin de la soirée si t'as ressenti une différence ou pas sans savoir. Et pour information, nous ne sommes pas en NA. Si vous tuez quelqu'un, vous êtes full life. Tout toi, Dogby. Bah regarde, aussitôt dit, aussitôt. Si tu le tues. T'es un monstre. Oh bah écoute, c'est pour toi Ads. Hein. T'es un god. Est-ce que tu remontes à 200 HP sur cette balle? Une de balle snipe de snipe hein. Une balle, j'ai droit à une balle. T'es prêt? Par contre si tu prends une, toi, une balle de snipe. Oh, il pique. Ah. Y'a un mec dans l'orage, Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un orage qui est là depuis longtemps. J'ai l'impression. Pourquoi y a un mec dans l'orage? Il est mort de l'orage. Super, la tempête l'a emporté. Ce lag de ouf, mais c'est... Oh là là, Roby, full life. Oh Roby, y'a plein de gens à sniper en face. Nord-ouest. Yo. Ah ouais. Mais en vrai vous êtes 2v3 là.
Ils sont en base en plus. Ah oui, c'est les derniers. Touché 51. Oh, c'est parfait, Robby, ça touche. C'est-à-dire que si vous tuez les 3 là, on aura 10 kills. Une petite 10 kills top, hein. Sans effort. J'ai 22 construits, gros. Bon, par contre, ils ont la zone, vous l'avez pas. Touché 50. Ok, one down. Two down soon. Touché 50. Ok, il y a lui. Et après, il restera. Tu sais qu'il reste pas, par contre, Dobby, vu qu'il te pique. Dès qu'il va arrêter de te pique. Oh, ton kill, 50 HP. Oh mon dieu, dommage. Il est en bas, Robby, c'est à toi. Il s'en rentre sur rien, Robby. La zone, Dog, tu prends un tick, t'es mort. Un tick, je suis mort. Pas de pression. J'aime trop rêver de ce qu'il dit. T'es un monstre, Robby. Tiens, t'as tué. 50 HP pour Dogby, c'est bon, courage. La tête de Waf, tu fais le fou. Maintenant, on va discuter. Pop. Vas-y, défense. Il est au sol, Robby. Allez. Oh là là. Mais quel duo! 14 kills! Eh, Robby, bravo, bah, je te félicite parce qu'on a été tous les deux à aller déjà au-delà du spawn. Et en plus, quelle victoire! Super, bah ça insiste en plus, génial! On rappelle qu'on sera tous les deux à la Lyon eSport avec Robby pour défendre les couleurs. Non, mais enfin! Génial! Un spawn, Gotha, tu peux le crier! Non, peut-être pas. Oh, même, on va à Tilted! Non! Allez, quoi, il va me tester jusqu'à la fin de la soirée du coup! Là. Non, il m'a volé mon arme sous mes yeux! Oh non, Dogby qui peut-être meurt! Ah bah oui! Pas peut-être là, c'est sûr! Aïe, c'est Robby ça, direct. Ça c'est les tchons de Robby. Puisque ça rend les HP, ça finit direct maintenant. Bon les gars, on rappelle full top 1, hein. Vous êtes encore 3 en vie. Moi je vous ai porté. Donc en fait nous si on met juste le mode anonyme en plus, du coup les mecs Il y a trop d'éléments pour qu'ils y arrivent. Si on active tout plus ça. Ah oui, parce qu'avant ils checkaient juste le code s'ils étaient dans la bonne et ils restaient ou ils quittaient le lobby et relançaient. On est carrément en train de ruiner plein de lobbies par contre où il y aura 80 personnes à Titel. Oui, ça c'est vrai. Les lobbies à 80 personnes à Titel, on s'excuse. Epic Games vont nous contacter, qu'est-ce que vous avez fait? Par contre, je cherche des armes depuis tout à l'heure. Des mecs sur moi. Je cherche un chasseur ou du shield. Et des mecs sur moi, j'ai besoin de. Quoi? J'ai pas vu. Il y a eu un bug? Ça lag. Il y a vraiment eu un bug. Mais ça lag de ouf! Ça a lagué? Attends, là pour l'instant, il y a Coco qui fait son 1v1. S'il te plaît, Gotha, meurs pas! Je suis mort, mais ça lag! Elle compte pas, 0 kills. Bon bah, du coup, la soirée full top 1 est niquée. Par contre, sur ma vie, si je meurs parce que je fais un coffre où il y a un lance-grenade. Oh nice. Ah, j'ai vu ça aussi. Vous êtes plutôt content de la dernière mage en général? Oui. Bon bah je suis déjà mort, ils sont 3 dans la maison. Je suis déjà 0 kill, 3 morts sur 3 games, c'est nice. Ah mais vous êtes parti à Paradise par replay. Ok. En flag sur moi, contact. Y'a un mec qui vient de drop sur toi là. Ah j'ai pas d'arme de l'an. Je dois tirer dessus au PM. C'est qui à la balette là? Oh il a pris 197, c'est insane. Y'a un mec en dehors de la ville en 15-30. Ouais je t'ai dit que tu mets une tête 197. C'est l'arbalète. Ils l'ont rendu worse maintenant. La violette là? Ouais j'ai mis 197. Tu mets presque 200 dans la tête. Vas-y, tiens, parce que moi je mets pas de tête à l'arbalète. Robby, j'ai la lance-grenade derrière toi. Avec les roquettes. Et dans le corps c'est presque 100 aussi. Mais du coup c'est pas trop fort quand même? Bah non parce qu'il y a quand même un petit temps de recharge. La balle silencieuse comme ça, je trouve que c'est un atout de ouf. Genre, tu tires, on se rend pas compte. En vrai, si t'apprends à la maîtriser, ouais, ça peut être fort. Ça cross la maison. Oh merde. Merci, c'est trop bien de jouer avec des joueurs pro. Alors, ils sont où tes potes? Ouais, les gars, je compte sur vous pour faire top 1. Oui, Gotha. Bah, le mec était knock par contre, c'est-à-dire qu'il a encore des teammates qui pas. C'est vraiment le cerveau des Vitality. Bon, par contre, va falloir m'expliquer. La rareté est épique et il y a tout le monde qui a une arbalète dans les mains. Oh, je l'ai mis là, l'arbalète. Gotha pose des questions. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je vais souvent mourir ce soir. C'est trop fort. Ah, oh, les gars, non, reste sur Spawner. C'est sur la colline? Ouais. Si on arrive à mettre des flèches en vie, pourquoi les mettre en même temps? J'en ai une aussi, arbalète. Hein, donc. Vas-y, si on met 3 flèches sur un mec, il se fait one shot. Go sur lui. Attends, les grenades ils pètent pas? Ah, y'a quand même un bon délai entre deux balles. Ah, si, ça pète. Ouais, je dis, y'a un petit temps de recharge et en plus, le bullet drop il est super fort. Genre. C'est dur de calculer, genre, où est-ce qu'il faut tirer. Oh, la petite flèche qui touche pas. Non, c'est pas un buff. Si t'as des facilités comme moi. La petite flèche qui touche. Oh, bien joué. Akitio qui demande, t'as bien dormi cet après-midi ou t'as pas trop le temps? Bah, on a dormi 4 heures quoi. Enfin, en fait, ouais, le dernier jour on a très peu d'heures de sommeil. Mais quand on est, on ne compte pas. Je crois qu'on n'a pas parlé, je crois qu'il n'y a pas eu d'émission entre temps. Mais la dernière vidéo que t'as faite, un peu mise au point à la d'une heure, ouais. Vachement intéressant. Eh, franchement, moi j'ai regardé 5 minutes, je me suis dit pas plus. J'ai regardé tout. Bah, la même. Genre, et pourtant, c'est des trucs que tu vois, bon, nous on est un peu dans le milieu donc on a aussi un peu ces réflexions là. Et je trouve que t'as trouvé les bons mots et tout, les bonnes références. Franchement, GG. Et t'as regardé sur super positif. Surtout ce qui est fou, c'est qu'elle était top en tendance super longtemps alors que c'est une vidéo d'une heure, tu vois. Parce que normalement les tendances ça marche en fonction du watch time. Donc si elle est top en tendance, c'est à dire que bah, les mecs ont cliqué sur la vidéo et sont restés pour au moins 80% d'entre eux, sur au moins 80% de la vidéo. Ouais, c'est pas tu passes 3 minutes et tu te barres. Et tout le monde a mis au moins une petite demi-heure et voire en entier en fait. Parce que j'avoue que je suis comme Robby en fait. Je suis passé dessus en mode allez, qu'est-ce qu'il va nous raconter? En fait, c'était tellement poignant. Mais je voulais en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent pas forcément les lives, même là qui sont peut-être en train de regarder la VOD YouTube. Et tu vois, qui c'est pas que ça les intéresse beaucoup, c'est juste qu'ils ont pas le temps et que ils ont autre chose de mieux à faire leur lundi soir ou quoi que ce soit, ou même regarder le live en général. Ouais. Et du coup bah toi en fait quand t'expliques, quand tu réponds aux gens, ouais qu'est-ce qui se passe chez Vitality en ce moment, pourquoi tu joues plus, pourquoi tu joues plus trop à Fortnite machin, bah ces gens là ils comprennent tu vois au bout d'un moment, ils sont souvent sur les lives tu vois. Sauf que
Sauf que les lives, putain, vous êtes chiants. Je suis en train de voir tout à l'heure. On est 3 arbalètes comme ça. Je crois que l'arbalète en plus maintenant on a plus de dégâts, genre 10 ou construit un truc comme ça. Ah, c'est un level de snipe. Mais bref, et du coup, bah vu que les lives ça reste pas définitivement, c'est juste vraiment sur le moment, t'as 10 000 personnes qui vont savoir l'information et sans plus. Là au moins, c'est une vidéo YouTube où bah y a toutes les réponses à tes questions. C'est-à-dire que même sur le live, s'il y a des mecs qui se posent des questions un peu où t'en as marre de répondre, tu peux carrément les renvoyer sur la vidéo quoi. Ouais, enfin après, je leur dirais pas. Bon, les gars, ta question où je peux prendre 30 secondes pour y répondre, va voir la vidéo d'une heure. Ouais, j'avoue. Ça dépend, tu vois. Tu as des trucs un peu techniques quand tu parles un peu du format Fortnite. De tout ça et de même de ce qui devait entre guillemets un peu modifier ou prendre en compte. Ah mais ça m'a fait super plaisir des retours. Forcément il y a des gens qui comprennent pas trop et qui voilà ont regardé toute la vidéo aussi et comprennent pas. C'était forcément quel genre de retour on va dire un peu négatif que t'avais t'as pu remarquer? Bah plus c'est négatif, c'est en mode bah moi tu vois je t'ai connu grâce à Fortnite et tu m'intéresses moins si tu joues pas Fortnite, tu vois, je peux comprendre. Ah mais rien à voir avec tes propos du coup, c'est ça qui est bien. Oui ça, non oui d'accord. Il remettait pas en cause ce que tu disais. Ouais, juste, mais en fait il a compris le côté où j'y jouerais sûrement moins. Ah cool. Mais voilà tu vois, il y a des gens. Moi c'est pas un retour négatif ça, c'est juste une appréciation, une information. Oui enfin après attends, moi je te l'ai dit en mode gentil. Ça pouvait être ça le gros porc joue à Fortnite. Oui, bon, après, ce qui veut dire la même chose. Hein. Mais moi, je t'ai fait version cool. Okay. Version soft. Non, après, forcément, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord et qui sont un peu plus polis. Et ça, ça fait plaisir parce que des fois, c'est bien de voir que c'est ouvert au débat et que tu peux avoir des discussions d'adultes, tu vois. Des fois, ça peut être avec des personnes très jeunes mais qui sont très respectables et ça fait plaisir. Et il y en a d'autres, par contre, ils sont il y en a qui ont beaucoup rigolé justement sur la référence de faire des bullfights dans leur tête là parce que, genre, il y en a, c'est vraiment ça. Hein. Tu vois, je sais par exemple la phase où j'avais un peu arrêté H1 et justement, je jouais à Fortnite. Bah c'était cool, va sur H1. Et avant H1 pareil c'était bas sur code. Et là je te l'ai fait en mode poly encore une fois, bien évidemment. Bien sûr. Parce que les go code FDP on les a connus. Mais là c'est cool parce qu'il y en a plus en plus qui respectent les choix. Après je pense qu'il y en a aussi qui pourraient descendre un peu quoi. Après qui respectent ou qui respectent pas, au moins toi ça te permet de faire une mise au point quoi. Oui c'est ça, non voilà je voulais faire une mise au point pour un peu tous les gens qui me suivent. Et du coup ça t'a motivé à en faire plus ou tu t'es dit non c'est pas parce que ça a marché que je vais en faire plus, juste quand bah, en fait, tu gardes les timings quoi. Je voulais faire par exemple tu vois un de ces quatre, faire un peu ce même principe là. Par exemple je sais que Sky et moi on partage une vision différente par exemple sur Apex. Et faire plutôt un débat, tu vois, l'inviter et on parle pendant 15-20 minutes. Ouais sinon ça durera plus, on se met pas de limite. On peut le faire en live au début, comme ça les gens sur le chat ils interagissent et ils parlent avec nous. Et puis derrière on en fait une vidéo, on peut travailler. Ils sont pas mauvais ces cons. Ouais ceux-là ils sont pas mauvais. Il a pas de sur moi, je ne pouvais pas se consoler. Mais du coup faire ce thème là avec des gens où on peut faire des débats intéressants, on n'a pas forcément le même discours, le même point de vue sur certaines choses, bah ça pourrait être méga intéressant. Donc à voir ce qu'on peut mettre en place. Et un truc aussi que je voulais faire c'était avec les joueurs Vitality dans un peu tous les jeux. Tu vois par exemple jouer avec Edops qui est genre trop fort sur le jeu, un des meilleurs mondiaux, il est chez Vitality actuellement. Et genre bah s'intéresser un peu les sports. Oui, voilà, c'est ça. Putain trop bien. S'intéresser à tout ça. Et vu que chez Vitality on a quand même des squads qui sont au top niveau international, bah ça pourrait être super intéressant parce qu'il y a des jeux auxquels les gens sont pas au courant qu'il y a de l'esport dessus. Rambo aussi, bon ils sont courants, mais ils sont courants mais ils se rendent pas compte de la complexité du truc. Ça. Tu vois, genre, donc carrément, moi je te pousse à faire ça. Ils veulent te suivre, attends, parce que là t'es. Aïe aïe aïe. Au lieu pas que t'as 50 HP, si tu le tues. Ouais, yes, ouais c'est bon. C'est chaud, dingue. Mais vas-y, on peut continuer de discuter, je peux parler dans le même temps, moi. Regarde, boum. Oula. Yes. Je visais les deux en même temps. t'as marqué un but en soi, t'as tiré entre les deux. Ouais. Donc ouais. Donc ça se compte. Ça fait 10 plus une réa 11. Je suis le seul à 0 kill. C'est x2 c'est ça? Ouais, t'es le seul à 0 kill. Okay. Il nous reste 2 games messieurs. Déjà j'ai quand même, vous êtes bien défendu. Mais en tout cas ouais, la vidéo vachement intéressante, si vous l'avez pas vu, je vous conseille, je pense que bah, vous avez au moins tous eu connaissance de cette vidéo parce que comme il a dit même, j'ai reçu beaucoup de retours des collègues youtubeurs etc, tu vois, il y en a plein qui l'ont vu, il y en a plein qui vivent un peu la même chose peut-être sur d'autres jeux, tu vois, sur du League of Legends ou Mais au-delà de ça, moi c'est les mots, je trouve que c'était intéressant parce que genre comme je t'ai dit, genre je regarde cette vidéo en mode je suis sûr qu'il va dire des trucs qu'on sait déjà entre guillemets en étant dans le même secteur, tu vois, on sait déjà tous, mais vu que tu trouves les bons mots, t'arrives à donner ton analyse avec ton côté un peu joueur pro, t'expliques pourquoi et tu prends le temps parce que d'habitude tu aimes bien survoler les trucs et on comprend pas trop ce que t'as comme idée au fond, tu vois ce que je veux dire, tu lâches les infos et on se débrouille avec. Là t'as été en mode non je veux qu'on me comprenne et j'ai trouvé ça super intéressant et je pense que c'est surtout pour ça que la vidéo a autant marché, c'est ce côté où franchement tout le monde pouvait comprendre tes propos, même si tu parlais des trucs complexes, quand tu parlais des taux de puissance, tu vois ce que je veux dire, ça c'était après il y a le montage derrière hein. Mais c'était bien fait, au moins tout le monde peut comprendre alors qu'avant c'était compliqué de dire que même à un niveau professionnel il y a plusieurs grades, tu sais, c'était plus difficile aux gens de faire comprendre ça. Ah ça ouais, les gens, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Moi avant j'avais du mal à comprendre justement que les gens ne comprenaient pas. Bah en fait quand tu te répètes tous les jours sur ton live en mode bah non mais j'ai déjà expliqué ça 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 ça, tu te rends pas compte que bah les gens passent pas ta vie sur ton live. Ah, ça venait d'être. Il m'a eu à travers. Non. Il m'a tué à travers le mur quoi. Il est où? Ah il va peut-être essayer de me finir. Je suis 50 HP. Ouais. Roby, t'es un monstre. Moi j'ai 2 kills. Hein. J'essaie de me mettre devant mais. Oh non. J'ai pas visé, je sais pas pourquoi j'ai pas visé. Oh Coco, peut-être. Le sauveur, vous voulez son kill, le sauveur des Vitality. Oh, t'es un monstre. C'est pas fini hein, il y en a deux au sol et il fait le fou, Gotaga. Alors que Az a très peu d'HP. 10 secondes. Et du coup bah là c'était un peu l'actu aussi de Gotha, mais il y a la vôtre aussi. Oh, alors là. La Nui Sport qui arrive normalement fin de semaine. Roby Az. Oula. T'as plus d'HP, je tu t'occupes d'eux. On parle juste après parce que là c'est vrai que c'est un moment compliqué. Roby très très long, il faut le cover, c'est bien Gotaga qui attire l'attention. Az qui fait son travail.
1. Pour refermer Gotha, c'est propre. Descends, descends, Robby. Non, je recharge, moi. T'as pas d'HP ou pas? Marshmallow, il s'est pris 80. Ok. Non, je veux pas payer. J'ai 20 de construire, hein, ça pue. Je veux pas payer. Kenes, Coco. Ah, oh, ça lag. Ah, mais j'ai 20 de construire. Oh attends, attends, je me casse. Y'a un mec tout en haut derrière, genre. Je suis rentré dedans. Pareil, pareil. Et ça lag trop là. Non, mais ça lag plus que d'habitude là, non? Nice, tu gères. Un avion qui arrive. S'il vous plaît. J'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, s'il vous plaît. Y'a une équipe entière sur l'avion. Gagnez la game. Yes. Y'en a un blanc sur l'avion. Si vous cassez l'avion, c'est il va en bas, je crois, non? Nice. Je vais voir s'ils ont buté Fortnite. Mais j'ai mis deux hits blancs. En attendant, putain, mais c'est le retail roll le plus animé de France. Et ça y est, c'est fait, les Vitality s'en sortent. Sans leur meilleur élément, certes, mais ils s'en sortent. Bon, par contre, ça lag de fou. Oui, ça les serveurs, s'il vous plaît. Ils ont mis aucun tweet sur les lags. Du coup, je disais, les deux Vitality, la Lumi Sport qui arrive. Ah, il y a toujours du combat, décidément. Pose ta question quand même. Vas-y, pose la question. Je disais, la Lumi Sport qui arrive. Est-ce que vous avez des infos? Alors, on sait qu'Eolix Maxa seront sur place, ils s'entraînent. Je crois qu'il y a un bootcamp qui est prévu là. C'est en train de le faire déjà. En ce moment, ils sont déjà en train de le faire. Où est-ce que vous en êtes, vous? Qu'est-ce que vous avez en tête? Et comment vous envisagez cette semaine? Il faut encore qu'on en discute entre nous déjà. Mais en gros, on va parce que lui était dans le marathon Apex. C'est ça, c'est ça. Il y a, ouais, au printemps. Mais du coup, maintenant, on va rejoindre Eolix et Maxa et on va tous les deux charbonner un peu. À partir de quoi? Demain? Directement. Ah, trop bien! Il se fait où ce bootcamp? Dans les locaux Red Bull. Dans les locaux Red Bull, ouais. Toi t'es déjà passé à ces locaux, Beta? Ouais. Je confirme, ça va, c'est genre... Ouais, ouais. T'es confort? Bah pour un mec comme Keolis, ça change tout, parce que chez lui il a pas un ordi qui tient très bien. Donc jouer avec un ordi solide, ça change tout quoi. Il est 10 fois plus fort quand il joue des locaux quoi. Ok. Oh là, cette flèche qui touche. Flèche numéro 2. Et dites-vous que pas mal d'autres clubs qui font le même sport sont déjà eux aussi en bootcamp, hein, donc ça va être assez nerveux. Si on fait un point sur les kills, 5 kills pour Gotha, 5 pour Ads, 2 pour Robby, déjà 12 kills dans cette game en x3. Il y a des mecs dans ce petit maison rouge. Et il reste 27 personnes à tuer. Maison rouge contre Baest. Ça veut dire quoi quand ça fait flèche rouge, X jaune? Ah. Ça fait quoi? C'est le bombe? Ça c'est le mauvais combo ça. Akitio qui dit que les man aussi sont en bootcamp, donc attention. Attention, ils vont être énervés. Je vais tirer par une autre personne. Une extend de malade. Sud, j'ai 4 big constructions. Il y a plus de 3000 construits. Je préfère le Gotha, t'as pas perdu en 2-3 jours. Hein. En face de moi, une autre squad. La flèche touchée 44. Putain, je dis. J'ai eu peur de t'avoir porté la poisse. Et l'autre squad en un qui a pris une tête devant moi, un juste à côté. Ouais. Il push. Il peut. Ah oui, il est sur toi. Yes. Attends. Fuck, j'ai pris une tête, il y en avait un troisième. Non, je recharge juste mon arme. Ah ouais, quand on dit que ça lag, c'est vraiment genre... Il y en a sur moi, là il spam l'a construit, il va pas sortir. Hein. Je sais pas. Tu l'as tu toi, Coco? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Karma. Oh là 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 là, la session de Gotaga, alors que Robby lui aussi est en bull fight. Il y en a encore un autre qui arrive sur moi. Ouais, ouais, je l'ai fait tomber, je l'ai fait tomber. Oh, je lag! Y'a la zone en plus. Hein. Faut pas traîner. Ok, vu, il est en dessous. On a de la communication. Il est en train de tempo dans un carré. Nice, GG. D'ailleurs, vous en pensez quoi là? J'ai cru voir qu'ils annonçaient une arme ou un truc. Il y a fait 80 têtes et 40. La nouvelle carabine là? Non, non, un surf. Le snowboard. Non, ça fait 10 ans qu'ils l'ont annoncé. Mais là, c'est en mode, ça sort bientôt. J'ai trop peur que ça sorte cette semaine. C'est pour un mode, je pense, pour l'instant. Et à voir si après ils sortent. Parce que vous connaissez la fameuse surprise avant la Lumi Sport. On vous sort ça pour la mobilité. En mode bon bah ça change. T'as regardé ma vidéo. Il a un HP tout en haut. Knock. Ça. Bah oui, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, bizarrement. Inter. Il est sur moi. On se casse. Je prends la grosse patte. On se casse. Ah, il y a une voiture là. Ah oui. Voiture de quoi? Elles existent encore ces voitures? Bah écoute, j'étais surpris. T'es pas au courant? Je pensais voir un quad. Attends, vas-y, comment t'es dedans? Vas-y, on prend la voiture en cardiaque. En cardiaque. Non, je peux pas ping. Oh, il a une batteuse. Oh, c'est devenu un réflexe, Robby, moi, de ping. Non. Non. Son pote, tu voulais me laser. Tu as pris tellement cher.
Il va, c'est il va, trop il va bien usine. Reprendre de la vie. Viens, viens, le dépop, viens, le dépop, promis. J'ai 30. Il est où celui? Ah, il est là-bas, tout au fond, tout au fond. Ah, il y a un sniper. Oh non. Sniper de la Tilted. Ils arrivent, ils sortent de Tilted. T'as pris 145 mètres? Ouais. J'arrive. Bon, en même temps, je fais le con. Moi, il faut pas me donner l'arbalète. Hein. T'as Gotaga qui fait le travail. J'entends là que les deux là se remettent debout, se fassent des trocs. Heureusement qu'il y en a un qui travaille. Il essaye un petit peu de repousser les adversaires, les ralentir et leur mettre quelques dégâts avec cette belle balle de Deagle qu'on lève 66. On va aller le mettre à terre, je pense, côté Gotaga. Oh monsieur, monsieur est joueur. Voilà hop. Ici sur la colline, il y en a un qui a l'arbalète. Il a cassé, il comme toi. Il a cassé mon ballon. La zone messieurs, mais elle arrive. Mais j'étais en train de redescendre, j'étais en train de redescendre, donc ça va, j'ai pas full troll non plus. Il y a deux teams en face de moi. Tu parles de quoi? Oh. Encore un en haut. Ouais, en haut de la construction là. Dans la construction, j'entends. Ah, mais il a sauté derrière moi. Moins 30 vies. Ça dégage. Non. Je vois pas. Nice. Et il y en avait d'autres usines. On y va. J'ai 34. Tiens, 2 fois 34. 40 encore. Oh, si je lui mets la flèche par contre. Ouais, la flèche était pas loin quand même. 48. Il est turbo. Turbo build. Si on casse chacun d'un côté, il peut pas turbo. Oh bah, ouais, bah coucou. Ok. Derrière moi, sur moi. Attends. C'est-à-dire que c'est pas tu sais d'où? Non, non, sur moi, sûr, 100%. Ah oui. Oh là là là, c'est propre, c'est propre. Attends, il faut faire un truc à la fin où on. On y va qu'à la pioche. Non, que la... On va faire ses son points, allez, vous avez, il faudrait trouver des arbalètes, qu'on fasse que à l'arbalète. Attends, mais il doit y en avoir. Avec ah, les gars, moi je suis en stress, je vois le chiffre monter, les gars, vous êtes à 26 kills. Fois 3 en plus. En fois 3, donc justement, c'est encore stress là. Il nous faut des arbalètes, il nous faut des arbalètes. J'ai jamais laissé les gens autant se concentrer que dans cette game. C'est vrai que. Non, tu dois poser des questions. Oui, c'est vrai, pardon. Un qui a pris 150? Ouais. C'est du 3v3 le pain épice. Le dernier on le pioche, ok ouais. Le dernier hein, quand deux mecs sont au sol. Un, nice. un au sol. J'annonce. Un Dugby, il va être sûr qu'on finisse pas le dernier. Oh ouais là, y'a pas d'erreur, pas aujourd'hui. Oups, j'en ai tué deux d'un coup. Non. Ok, lui normalement il est down. Voilà. Deux au sol, mais y'a Roby au sol, vous êtes en 2v1 hein, messieurs. Attention, y'a quelques dégâts sur Gotaga, donc réfléchissez bien. Il casse le truc. Vas-y. Ça a pas tiré? Gotaga qui va tomber au sol, Gotaga 3 HP, tu vas être tout seul, Ads. Non, Adi, moi je m'occupe de Roby, je m'occupe de Roby. Tellement de pression dans cette game et j'ai l'impression qu'elle est que pour moi la pression parce qu'ils sont à 27 kills en fois 3. C'est parti, sors ta pioche. Ne sors pas ta pioche, on va mourir. Gotaga 53 HP. Coucou. Pour sauver les deux joueurs Vitality. Il prend 50 HP. Il a pris 10 Gotaga. Gotaga qui joue avec mes 100 euros, il a un billet de 100 euros à moi. Il reprend ça, là il se. T'imagines 100 euros? Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon billet. Mais moi j'ai mec, je suis l'autre base. Hein, non, mais je sais que tu fais ton max là, j'ai juste peur. Ah, mais nous aussi on a fait notre max avec Ads. Ouais, clairement. 107 dans cette putain de gueule. Il reprend 50 HP en me tuant du coup. 50 HP en plus pour lui. Ah merde, c'est qu'à ça. Je suis peut-être pas fan de cette mage. Hein. Je le vois pas. C'est lag. Allez, Gota. C'est pour toi. Tu la connais cette technique, tu la connais. Sur le chat, vous préférez top 1, pas top 1, enfin... Je crois qu'ils vont dire pas top 1. Je pense qu'ils vont être avec moi, effectivement. Faites payer Dwag. Faites payer Dwag, voilà. Non, vraiment. C'est trop bien comme situation. 1v1, il reste 100 HP du côté de Gotha. Toi, t'as estimé, il a pris 107, il a pris 50. Il a repris 100, du coup, en 300, en repris, moi. J'ai plus de construire. C'est la pire émeute, bande de bâtards. Oui, oui. Nice. Il regarde la tête. Nice. T'as vraiment fait ça? Le billet de 100, tu vois, il l'a fait. Aïe, j'avais plus de construire avec dommage. Ah, tu vas m'inviter. Aïe, aïe, aïe. Ad, il est sur le cul, il est en mode. Je suis choqué. J'ai été choqué. Et j'ai pas d'armes, putain, Roby. Mais aussi. On a eu aucune arme en fait. Mais genre, y'a plus d'armes dans le jeu ou. C'est bon, j'ai fait deux étages d'une maison, j'ai pas attends, eu d'armes. Attends, faut pas que je tue. Y'a un mec derrière toi, Dwag. Bah, c'est pour ça, retue-le, Roby, y'a d'autres gens qui arrivent. Hein. Quoi? Dis-moi que vous avez des armes. J'ai ramené des méchants. Y'a un autre mec qui a pas d'armes en sud. Ok, je redescends, j'ai une PM. Je cherche toujours une arme. Ah, mais non, tu as pas vu ça. Alors recherche même j'ai un pompe pour toi, Y'a un mec aux pompes sur moi, les gars. Qui veut le pompe? Qui veut le pompe? Attends. Ah oui. J'ai des balles. Mais prends pas de balles, t'as pas de pompe. J'ai un pompe. D'accord. Bon les gars, je vais rusher un mec ici. Si vous tuez, je joue plus jamais à ce jeu. Non. Je l'ai mis là. Ok les gars, je veux. Ok. Non. À droite, là, il sort. Dedans, on est dedans, les gars, fini. Tue-les. Ouais, y'en a derrière moi aussi. Y'en a un autre carré! Sérieusement? Gotha rentre dans la maison! Non, y'a un piège en fait. Ah! J'ai rigolé, c'était juste pour passer. Eh! Hop là, tu es grand, non? Arrête! Tu es grand, non? Bolo, regarde ce qu'il fait! Il me bloque! J'ai Roby. Y'a pas un trap, vous avez dit? Mais bouge! Ranime en premier, Roby. Moi. Yes. Attends. Moi. Mais c'est quoi ça? Attends, Roby, attends. J'ai 9 HP! Je vais mourir! Ads! Roby!
Putain, trois spé, non mais Roby, un respect, c'est pas une blague. Tu sais que je suis revenu sur toi, du coup j'ai amené un type sur nous. Ça fait quoi si je lâche? Pourquoi vous me faites ça? J'ai peur pour rien moi. Putain, je suis chasseur bleu ici. Je suis pour toi quoi. Je suis harcelé ici. Mais on me tire encore dessus sur le toit d'où on est. C'est une team entière. Faut que je vois ma solution anti-stream hack, je crois. Pas si très que ça. Ah, il reste plus qu'un. Ah, j'ai mis un blanc. What the... Quoi? Bah, c'est complètement lagué. Vas-y, Coco. Après, y'a un mec derrière l'arbre là-bas, petit gars. Je crois que c'est le retour du. Ah, c'est un free kill! 41. C'est quoi ça? C'est quoi? Il se passe quoi là? C'est un truc que j'ai vraiment jamais vu! Y'a une secousse! Vous avez déjà vu ça? Bah oui, ça fait plus d'une semaine qu'elle est sur la vie de ma mère que c'est la première secousse que je me prends de Fortnite. Faut que t'ailles près de Dusty. Tu vas voir que la map elle est fracturée. Il a changé le jeu. Ah, il démarre l'avion, il démarre l'avion ici! Non, notre avion! J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Mais dans mon dos, je me suis pris une balle aussi. Vas-y, va te faire foutre. Il doit être 82 dans l'avion, 82, il a pris une tête. J'ai du scan cette arme là. Et laquelle? J'ai 23. Ah oui, c'est du jetscan, l'air scoop. Ah, ok, vu le mec qui nous tire dessus depuis tout à l'heure là, il est là. Ah, vu. Ok, bon, c'est pas mon problème. 41 vie, il a 60 HP. J'ai 3 HP sur le chat. Hein. J'ai 32 vie, j'ai pas de balle de voter maintenant au bout d'un moment. Hein, c'est cool, je vais mourir. Ah non, il y a encore 35 secondes. Hein, ah, pardon, il est de l'autre côté. Ah, j'ai pris une balle dans l'autre côté. Il a un HP. Toujours un mec en dessous qui se balade là. Inter. Je dis rien. Nice. Bien ça. Mais du coup vous pensez qu'en compète il va y avoir de l'optimisation de qui prend les kills pour avoir les shields ou non? Yep. Quand même pas. Si. Ça dépend, genre si c'est possible oui. Ouais, si tu peux, oui tu fais. Mais ça, si... enfin, dans le fight tu vas pas dire attends je te le laisse le kill. Ah, mais non, pas moi. Bon, on finit sur un top 1 parce que juste après c'est le Royal Rumble. Allez. Ah ah, en dessous. Là. Ah ah, ça, ah. Ouais, ça va nous défoncer par contre. S'il casse le quad dans les mains. Bah nous on arrête là. Faut descendre là. Yes. Aïe. Si il cassait le quad, on mourrait. Vas-y, trace vite fait et on descend après. Là, je reste gentiment au sol. Hein. Mais j'ai rien en fait en arme, je peux pas fight avec ça. Oh, 82 dans la tête! T'es le boss. T'es le 41! 41! Mais j'ai tiré 3 balles, j'ai touché 3 balles! Il a un HP, hein, vraiment. Ah, c'est un buisson! C'est un buisson, le salaud! À terre, nice toy! Il y en a à toi, il y en a 41, il est shieldé! Nice! Bobby, il est en vitality, c'est ton skin! Oh là, t'es un monstre! C'est un faux! C'est ça! Escroc! Au-dessus de moi, là, il y a un mec. Ah, il est où l'autre mec? Vous avez fini mes deux kills là? Non, il y a un mec au sol, les rails. Vas-y, monte. 29, une tête, allez, bon. J'ai même pas le temps de faire un kill avec vous. Rester en vie, c'est déjà une. C'est déjà pas mal. Avion, avion, avion! Il a pris 21, 37, il a pas de 37 vies. Ça drop. Ça ink! Ok, bah je pose carrément cette arme, je l'aime pas du tout. C'est pas mon arme thermique. Si tu l'avais, Robis, je la donne. Il a super low sur moi. 44, deux fois Robis, mec, sur toi. Voilà, toi tu me fais kiffer, tu vas monter. Voilà, oh, c'est perdu. Waouh! Attends, j'ai voulu mettre mon escalier. Ah ouais, c'est parce qu'il y a eu le coup de lag à ce moment-là. Nice! Ouais, il y a eu un gros coup de lag. En face, west, dans les airs, west, dans les airs. Je pose la thermique. Deux mecs west. 45, le mec de gauche. Il y en a un sur la colline et un dans la maisonnette. Joline la colline. Il est juste en dessous, parfait. T'as le cran en dessous, moi je vais maison, hein. Robis, j'espère que tu suis. Pour me ramasser quand je serai au sol. Ça marche, je te suis. Oh contact, non, à moi, contact à moi, Ad, contact à moi. J'arrive. I'm coming bro. 100, il a pris 20, 124, je suis low. 90, il est mort. Ah non, j'ai fait. Dernier sur Coco là. Ouais, c'est le dernier sur Coco. Ouais. Ok. Et on vole vers Coco. Oh, ça a laissé de trappe là. Je sais pas ce qui se passe. Oh, on m'a fait tomber. Mort. Faites gaffe aux trappes, les amis. Attends, il reste encore pas mal de monde là. Mais oui, c'est World Record. Tu fais une rampe jusqu'au prochain fight. Coco, il y a le redeploy. Y'a toi qui va. C'est bon. Ça va, c'est pas pour nous tuer. Ça passe. Bah si, c'était pour nous tuer, clairement. Mais non. Oh, y'a un avion en face de moi. Bon, allez les gars, je vais vous fight avec 50 HP. Non, on arrive, Gotha. Y'a un bush qui arrive sur toi, Coco. Fais gaffe. Faites gaffe, les bush, c'est des bush. Y'a une balle de snipe. Ah bah, je crois que Coco est dead en fait. Non, j'ai mis une balle de snipe. Ok. Ah si, je suis dead. Ah ouais, si. Dommage. Ils ont été meilleurs. On a perdu. Il vient de faire une Ghost Saga Edition lui ou qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il y a deux mecs sur moi. Je sais pas si tu les vois, Roby. C'est parti les chercher quand même. Oh, j'ai envie de vous aider à la battre. Non, c'est Radwag. T'es sûr? Je sais pas que je pourrais une là-dedans là dans cette construction. Comme ça. Roby. Roby, idem. Papa. J'arrive, Ad. Je sais que tu comptais peut-être sur l'aide d'un coéquipier plus costaud, mais. Putain, mais vous êtes à deux endroits différents quoi. Regarde la map. Mais non. Il y a un là et un là-bas. T'as réussi ou t'as gagné ou pas? Non, il en reste encore un. Il reste encore un, ok. Je suis avec toi. Il les arrête.
Ok, down 1. T'es un monstre. Down 2, mort. Ok, let's go, let's go, let's go, on va aider Roby maintenant, right now. Ça marche. Ah, ok. Yes. T'as vu aussi, Doug, la nouveauté de quand tu mets un pad ou un trap, quand tu fais la mandrale, tu fais les trucs, quoi. Ouais, d'ailleurs, attends, parce que ça, j'ai pas testé. Mais imagine, t'es en train de tomber. J'essaie. Si tu tombes et tu mets ton pad, est-ce que ça marche du coup? Parce que ça peut être méga OP du coup. Je crois que ça marche. Vas-y, essaye. Attends, ouais, bah. La réa contre pas par contre. Ok, ça marche, ça peut être pété. Parce que moi, j'ai pas testé dans la vidéo, j'ai pas pensé. Ah bah non, mais là, qu'est-ce que tu fais? Mais what the fuck? Donc ça fonctionne quoi. Donc en fait, faut garder ton pad tout le temps et en fait, tu meurs pas de dégâts dessus en fait. C'est ça. Attends, y'a des moments où ça se construit pas, je crois. Mais en vrai, ouais, c'est si t'es au mauvais endroit. 60% des trucs, ça marchera. Ah, okay. Quad, c'est vous? Ça marche. Ah, les mecs là. J'entends un quad, les gars. En face de nous. J'avais pas testé dans ma vidéo justement sur YouTube quand je testais justement cette. Putain, le cerveau pour penser à ça? Mais j'avoue. Incroyable. J'ai peur de prendre son merde. Pad. Il y a des gens qui faisaient ça avant ce patch. Non, très peu. À un moment, il y avait justement un système avec le pad bleu. Et justement, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé le pad bleu du coup. Parce qu'il y avait des gens en fait qui avaient une souris, comme par exemple la Logitech, je sais plus combien. Ah, qui faisait la roulette ouverte. Ouais, en fait, c'est une roulette ouverte. Et du coup, en fait, ils mettaient leur oh, j'ai joué Bloom contre Bloom. Ils mettaient leur touche d'action de construction sur leur roulette. Et du coup, en fait, quand ils tombaient, ça spammait automatiquement les constructions quand ils faisaient un coup de roulette. Là, ah, mais il est mort de en fait. Et je suis sûr que c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé la roulette moi, sur Fortnite. Parce que du coup, il y a des joueurs qui étaient trop avantagés sur moi. Contact à moi, Roby. Attends, Roby, Doc, c'est les deux derniers et c'est une très grosse game. Gota, il va beaucoup payer si vous mourrez. Du coup, ça veut dire quoi ça? Je comprends pas le fond de ton message. Tu fais Xeko avec Doc? Oh non, au secours, Roby, parce qu'il est chaud lui. Il est chaud et de ouf. Doc, dis-toi, c'est un chifoumi, mec, hein, pour la game. Roby, il est vraiment si fort. Tu meurs, c'est pas grave. Hein. Dis-toi que. Moi, je suis safe, je suis tranquille. Moi je gagne du temps, juste le temps que tu fasses ton truc, c'est bien. Tu dis quand t'as fini ton truc. Bon, dis-toi, Doak, si vous mourrez là, c'est un Shifumi entre toi et moi. Attends, et c'est une grosse game, hein. 31 x 4 ah, mais là, c'est. Vous allez faire un Shifumi sur plus de 120 euros si quelqu'un meurt. Arrête, ça met pression. T'es où, Roby? Je crois que t'avais fini. J'arrive. Roby, il s'amuse. Ah, il s'amuse. Roby, 1v1. Roby, 1v1. Roby, pose toutes tes armes sauf le barret. Non, vas-y, non, je sais, Roby. Toutes tes armes sauf le barret, Roby. Il a déjà payé 100 balles. Moi, en vrai, si je perds le Shifumi après, je l'inviterai pas. Je te dis, je l'inviterai pas. Donc, mais quel Shifumi? Imagine, non, il paye à nouveau 100 balles. Normalement, y'a pas de Shifumi, mais les gars. Mais on a 3-3. Non, ça oui. Mais Roby va gagner son duel. Laissez-moi croire que ce joueur va être capable de gagner son duel. Il est pas mauvais, hein, gros. Hein. Fais pas genre, hein. Il m'a mis une balle de snipe de ouf. Tu vas mourir. Tu vas mourir pour rien. Le chat va te détester. Roby, tu peux tuer 1000 fois! Le chat va m'adorer! Le chat, j'ai jamais vu le chat en dessous. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Il avait le défaillant. Mais commence pas à vouloir faire ton best-of chez nous là! Voilà! Oh, Roby, la première balle de bombe qui touche maintenant, c'est maintenant, il attend l'édition! L'édition, ça part dans l'orage! 31 HP, il a 60 HP en face! Roby, va-t-il le faire? Fais-le tomber au pire, non? Ah, si tu pètes les deux walls, toi t'as ton truc pour déplaner, pas lui. Roby sait qu'il avait. On rappelle que c'est la dernière game et c'est une victoire de Roby! Est-ce qu'on se le fait quand même pour voir au cas où qu'est-ce qui se serait passé? En B1? Allez, on va le voir, on va le voir. Je pense qu'on l'aurait fait en B1 quoi qu'il arrive. T'es prêt? On est d'accord qu'il compte pas, ça vaut rien, c'est juste entre nous. Ouais, je suis prêt. Allez, Shifumi. Shifumi. Ah, t'aurais payé cher, en fait. Ouais. Combien c'était là? Ça aurait été 33 x 4. 132? Oh, en vrai, je voulais vraiment mourir. Moi aussi, je voulais que tu meurs. Je voulais trop mourir, mais j'ai fait. Non, fallait pas, il avait déjà payé. Ouais. Il y a déjà des mecs dans le chat là, il nous faut. Alors, comme ça, pour Gota, faut tout donner, pas pour Rodwagby. Bah, en fait, ça dépend. Il y a deux discours, et ça, c'est vrai, je peux d'ailleurs en parler. Il y a le discours sur Twitch où limite, vous aurez été plutôt content que Roby perde un peu son duel, même s'il y en a certains qui auraient été un peu relou comme ça. Mm. Par contre, sur YouTube, parce que eux, ils ont rien à gagner, ils auraient été en mode, mais c'est dégueulasse de faire ça à toi. En général, il y a des mecs là, je te jure, ils me détestent. Ils ont écrit mon nom dans un dessin parce qu'ils croient tout à l'heure que j'ai fait exprès de me suicider, genre. Ils ont pas vu le chat, genre. Là, le chat me dit je t'aimais tellement, mais maintenant ils sont plus. Oui, non, mais en fait, c'est différent parce que eux, en fait, ils ont un truc, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent gagner quelque chose. Sur YouTube, quand tu regardes, c'est du spectacle, rien gagner. C'est du spectacle. Et donc, c'est en mode, oh le bâtard, c'est fait. Moi, je me serais levé de ma chaise, je l'aurais défoncé à sa place. C'est vrai que c'est différent. En tout cas, merci Roby, tu m'as sauvé. Du coup, je dois que à peu près 100 et quelques euros. T'avais pris la première game, toi. Et vous, 2-0? Ah, mais c'est la deuxième fois que je viens ici, deuxième fois que je vais pas. Alors, oui, moi, ça fait deux fois que je viens. Je t'ai invité à la première, t'avais perdu, il me semble. Ah bon? On était ex-éco, mec. Hein. Ah, attends, si, attends, tu veux faire un Shifumi? Ah, B1? B1. Juste Shifumi et. Ouais, autre, ok, vas-y. Shifumi. Tu vois, t'aurais perdu. Allez, t'aurais payé. Allez, dégage. Parce qu'il est en train de, il est en train de reprendre du niveau là. Il est bon, il est bon. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un petit Shifumi avec Roby, voir si tu fais le perfect? Vas-y, Shifumi. Oh, attends, ça se voit qu'il en fait jamais parce que le ciseau de Roby c'est ça les gars. Je sais pas quel genre de ciseau t'avais à l'école frérot, mais un ciseau à trois branches.